Bible says, la Bible dit, in the book of Luke chapter 5, dans le livre de Luc chapitre 5, and verse 17, et verset 17, please, I'm not preaching, s'il vous plaît, je ne prêche I've just come pas, to tell you something, je suis juste venu vous dire quelque chose, and to introduce the man of God, et introduire l'homme de Dieu, that God has sent in our midst tonight, qui a envoyé au milieu de nous aujourd'hui, to take us to this other dimension with afin him, de nous amener dans une nouvelle dimension. Can I hear somebody say amen? Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire amen? Luke chapter 5. Luc chapitre 5. Let's read verse 17. Lisons le verset 17. And I read. Et je lis. And it came to pass on a certain day. Please, can you interpret as I follow? Oh, okay. Luke, and it came to pass. Are you there? Un jour, Jésus enseignait. As he was teaching. Tandis que Jésus enseignait, that there were Pharisees and doctors of the law sitting by, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient assis, which were come out of every town of Galilee and Judea, venus de tous les villages de la Galilée et de la Judée, and the power of the Lord was present to heal them, et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Can I tell you something tonight? Est-ce que je peux te dire quelque chose ce soir? One day Jesus went to a program like this one. Un jour Jésus est allé à un programme ainsi. The Bible says there were many people who were gathered. Il fut plusieurs personnes qui étaient rassemblées. Ces espions étaient là. The scribes were there. The Pharisees were there. Les pharisiens étaient là. The people of the Lord were there. Les gens de l'Éternel étaient but là. But there's something the Bible says that I like here. Mais il y a quelque chose que la Bible dit que j'aime. And as Jesus was preaching the word. Tandis que Jésus prêchait la parole. And as Jesus was teaching the word. Tandis que Jésus enseignait la parole. The power of the Lord was present to heal them. La puissance de l'Éternel était présente pour guérir. I don't know about you. Je ne connais pas ton cas. But all over my body tonight. Mais tout autour de mon corps I am feeling the power of the Holy Ghost. Je ressens la puissance du I am seeing the power of God. Je vois la puissance du His Saint-Esprit. Power is present sa and puissance available était présente et disponible to heal all manner of pour sickness. Guérir toute forme de maladie. Can I hear that sick person say amen? Est-ce que je peux entendre cette personne as malade? As the word of God shall be released. Tandis que la parole de Dieu sera relâchée. I am seeing the power of the Lord. Je vois la puissance de l'Éternel. And Jesus said, et Jésus dit, the Spirit of the Lord is upon me. L'Esprit de Dieu est sur moi. Because He has anointed me. Parce qu'il m'a oint. To preach the gospel. Pour prêcher to deliver the captive, pour délivrer les to set the captives free. Pour délivrer oh, les captives. That spirit that was in Jesus, alors cet esprit qui and est the same spirit that rose Jesus from the grave qui a élevé Jésus is de la in mort. Us, est en nous. Is here with us, il écoute. And is ready to do exceedingly, et prêt de faire and is ready to do abundantly, et prêt à faire and is ready to do above. Et prêt à somebody faire say, yeah. Yes. Oh, the power of God is available for la you. La puissance de Dieu est disponible. Say the power of the Lord is available la for me. Puissance de Dieu est disponible. Can you tap your chest and say the power of tap the Lord? Ta poitrine et dis la puissance is de available Dieu for me tonight. Est disponible pour moi. I prophesy. Je prophétise. Over the life of all those who are under the sound of my voice. Qui sont sous le son de no matter ma voix. The name of the sickness you came here with. Le nom de la maladie as que the power of avec the Lord is being released. La puissance de l'Éternel est that sickness is cette cursed. Cette maladie est maudite. I didn't hear your amen at je all. N'ai pas compris ton amen. I crushed the head of that sickness. Je détruis la tête de cette maladie. Oh, 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 can you say amen like somebody who is having his healing? The Bible says. La Bible dit. The doctors of the law were sitting. Les docteurs de la loi étaient rassis. The Pharisees. Les pharisiens. The scribes. Les scribes. The doctors of the law were those who thought they knew. Vous savez, les docteurs so de la Jesus loi étaient ceux sitting, qui prenaient la qui prêchaient la bonne nouvelle. Tandis que Jésus prêchait, ils étaient juste là assis et ils observaient. Qu'est-ce que cet homme dit? I don't want you to have the mentality of the doctor of the je law. Je ne voudrais tonight pas que tu aies la mentalité des docteurs ce soir. But have the mentality of that man. Mais aie la mentalité de cet homme. Who has come for an encounter? Qui est venu pour une rencontre? You have not come to prove. Tu n'es pas venu pour prouver. Pour éprouver. You have not come to prove the faith of the man of God. Tu n'es pas venu pour éprouver la foi de l'homme de Dieu. You have not come to see. Tu n'es pas venu pour voir. If strange things happen here. Si les choses étranges se passent ici. You have not come to see. Tu n'es pas venu pour voir. You have not come to spy. Tu n'es pas venu espionner. But you have come for an encounter. Mais tu es venu pour une rencontre. I want this to be your mentality. Je voudrais que ceci soit ta mentalité. If you have come with the mentality of a doctor. Si tu es venu avec la mentalité d'un docteur. You might go back the same way you came. Tu rentreras la même manière. But if you have come with the mentality, mais si tu es venu avec la mentalité of having an encounter with God, d'avoir une rencontre avec I Dieu, prophesy, je prophétise, as the power
of God is released. Tandis que la puissance de Dieu it is not passing you by. It is not passing you by. Ça ne te passe pas. Shout amen.